Bien, bonjour à vous tous et toutes pour cette première vidéo que je dessine justement au bonheur. Car le bonheur n'est-il pas en fait le but ultime de tout être humain? Alors on a écrit des tonnes de livres là-dessus, pour le garder, pour le prendre, pour aller le chercher. On nous fait croire aussi que en cochant les 6 bons numéros, on va pouvoir nager dedans. Alors, un certain Carlos, dans les années 70, chantait 2 minutes 35 de bonheur. Le bonheur, c'est aussi le synonyme de chance. Tiens, cette année, j'ai eu le bonheur de pas attraper la grippe. Ça peut être aussi les petits bonheurs, un carré de chocolat qu'on vous offre, par exemple. Mais en fait, en langage des oiseaux, le bonheur, c'est être tout simplement à la bonne heure, c'est-à-dire au bon moment, au bon instant. Alors, arrêtez-vous 30 secondes sur cette définition et ne pensez-vous pas que ce serait sympa que ce bonheur puisse s'étirer, puisse devenir permanent? Alors, le bonheur, c'est aussi, en fait, un état d'être en résonance, c'est-à-dire en cohérence avec ce que l'on est et avec son environnement. C'est aussi un état de transcendance, en fait, c'est-à-dire, par exemple, dépasser ses peurs, comme le fait un navigateur qui décide de traverser l'Atlantique en solitaire. Et puis, le bonheur, ça peut être aussi tout simplement l'inattendu. C'est pas de moi, mais c'est des gens dans mes sens. Alors, en fait, en conclusion, le bonheur, eh bien, chaque fois que vous ne pensez pas à autre chose qu'à ce que vous faites, vous êtes déjà, en fait, sur le chemin. Par exemple, quand vous regardez un bon film, pensez pas à autre chose, car si ce n'est qu'à regarder le film. Quand vous avez par exemple un ami de longue date qui ne vous a pas appelé, qui vous surprend, qui vous appelle, vous êtes là en cohérence avec vous-même, c'est-à-dire que vous écoutez ce qu'il dit. Voilà. Donc, essayez de cultiver chaque jour au quotidien ces petites choses et qui vous permettront justement de pouvoir être en résonance, parce que c'est ça la résonance. Bye bye, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.